Bonsoir, bonsoir. 9h15. Vous êtes donc journaliste au magazine Elle, spécialisée dans la santé et l'alimentation. Et vous vous êtes donc privée de sucre pendant un an. Alors déjà, de quel sucre parle-t-on? Est-ce que ce sont juste les sucres, c'est du sucre raffiné? Ou est-ce que ce sont tous les sucres, y compris le pain, les pâtes? Non. J'ai supprimé de mon alimentation tout ce qu'on appelle les sucres simples aujourd'hui, qui autrefois s'appelaient les sucres rapides. Donc en gros, le saccharose. Principalement le saccharose qu'on retrouve dans le chocolat, les crèmes glacées, les desserts, les pâtisseries, les viennoiseries, les plaquilles, les plats industriels. Et justement, parce que c'est pas seulement les desserts. Non. On découvre qu'il y a donc les plats cuisinés, le vinaigre balsamique. Ouais. Vous êtes passé du vinaigre balsamique? Non. J'ai utilisé du vinaigre balsamique, mais du vrai vinaigre balsamique 20 ans d'âge qui vous coûte un bras. Celui qu'on achète là, il est plein de sucre, c'est ça? Bah, c'est du caramel. Ouais, c'est du caramel. Et alors, les soupes industrielles aussi, il y a du sucre dedans? Oui, beaucoup. Le bouillon cube contient. Alors les soupes, ça dépend. Ah bon, ça dépend. Il faut regarder les étiquetages. Ouais. Mais en fait, dans la plupart des produits industriels, il y a du sucre parce que c'est une matière première bon marché qui donne du goût, qui permet de planquer les goûts pas terribles dans certains nombres de produits industriels. On le dit pour le sucre. Et le dernier point, c'est que lorsque vous mangez du glucose, des sucres simples donc rapides, au moment où vous les digérez, y compris quand c'est un produit salé, votre glycémie augmente, donc le taux de sucre dans le sang augmente, et lorsque ça arrive, ce sang chargé en sucre arrive au cerveau, ça vous provoque un shoot de dopamine dans le cerveau. Donc le bonheur, on est heureux. Charcuterie aussi? Oui, la plupart. Il y a du sucre dans les industriels, oui. Et puis il n'y en a pas là, sans sucre ajouté, c'est écrit. Alors là, c'est autre chose. Là, on parle du fructose. Le fructose, c'est le sucre naturel des fruits. Non, je ne m'en suis pas passée, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de récepteur qui digère le fructose. Donc lorsque vous mangez un fruit entier, fibres plus sucre, etc., il n'y a aucun problème, vous le digérez bien. Donc ça, vous n'êtes pas passé de fruits? Non. Mais lorsque vous buvez, par exemple, des jus de fruits, vous avez autant de sucre, entre guillemets, dans un jus de fruits entier, pomme ou orange, que dans un coca classique. Dans un soda classique. Et notamment le fructose, comme vous ne pouvez pas le digérer réellement parce que vous n'avez pas de capteur à fructose, votre foie le métabolise sous forme de triglycérides, c'est-à-dire des graisses, qui se mettent principalement là. Autour de la ceinture. Bouée. Alors on va revenir à votre expérience. D'abord, est-ce qu'il ne vous manquait pas un petit quelque chose après le repas? Au début, oui. Il faut 8 semaines à peu près. Pendant 6 à 8 semaines, vous avez en fait, je pense, le circuit de récompense sucre qui est actif. Comme le sucre du chien-chien. En fait, on n'a pas tenté avec moi l'expérience du sucre. Peut-être aurais-je fait un bête, c'est possible. Non, en fait, il faut 6 à 8 semaines pour que le logiciel se désactive. Voilà. Et alors, au début, c'est affreux, c'est absolument affreux. On est déprimé? C'est pas qu'on est déprimé, c'est que... Il y a un manque. Il y a des moments où on a des espèces de pulsions terribles. Quel genre de pulsions? Moi, je me suis retrouvée à aller acheter 3 pâtisseries en bas de chez moi, les gober en 10 minutes, alors que ma fille me disait « Non, mais maman, tu dis qu'il ne faut pas en manger, etc. » J'étais dans la pâtisserie à dire à sa fille « Non, mais tais-toi, tu dis n'importe quoi, ma fille était estomaquée. » Et après avoir gobé les 3 pâtisseries, je suis allée me coucher, effondrée ou une demi-heure plus tard, à 18h. Non, à 18h15, j'étais épuisée littéralement. Voilà, donc c'est plus des choses de cet ordre-là. Et puis ce qui est vraiment étonnant, c'est que lorsqu'on décide de l'arrêter, on découvre à quel point le sucre est essentiel dans nos rituels, que ce soit les rituels l'année festive, que ce soit les moments festifs au cours des anniversaires, les mariages. Voilà. Effectivement, on a l'habitude de finir un repas par du sucre. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout envie, ça ne me manque pas. Vous ne prenez jamais de dessert? Alors, depuis un mois et demi, j'ai recommencé un tout petit peu, mais j'en mange une à deux fois par semaine, quand j'en ai vraiment envie ou que je suis dans des circonstances particulières. Sinon, non. Et vous l'avez imposé à toute la famille? Alors, ma fille était un peu angoissée au départ, il faut le dire. Mon mari m'a dit, écoute, fais ton expérience. Et fous-nous la paix. Il ne l'a pas dit, mais il a suggéré qu'il n'était pas forcément totalement enthousiaste. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai forcément cuisiné beaucoup moins de gâteaux, beaucoup moins de pâtisseries, j'ai cuisiné beaucoup moins de desserts. Donc, de facto, l'alimentation a un petit peu changé à la maison. Et puis, en fait, tous les deux, en mangeant moins, en ont eu moins envie. Mais qu'est-ce que ça a changé concrètement? Alors, chez moi, 6 kilos de moins. Quasiment plus de perte, plus de graisse abdominale, 7 cm de tour, 6 à 7 cm de tour de taille. La cellulite. Avec plus de poches sous les yeux. C'est autant comme ça. Non, mais là, c'est pour ça que je reprends. Après, je pense que je perds un os. Et tout ça sans diminuer les graisses? Alors, non seulement on continue à manger des pâtes, du riz, du pain,
des pommes de terre, etc. Du fromage. Oui, en augmentant la quantité de manière grasse. Je m'accroche à un menu. Non, mais je mange beaucoup plus de matière grasse qu'avant. C'est-à-dire que je mange 1,5 kg de noix, de noisettes, d'amandes par mois. J'ai réhabilité le lard, je suis capable de gratter les couennes. C'est pas les graisses auxquelles vous pensiez peut-être. Je mange le gras de jambon, je mange plus de fromage. J'ai continué à boire un peu d'alcool, car on peut continuer à boire de l'alcool quand on arrête le sucre. D'accord. Voilà. Bah, pourtant, ça c'est se sucré. Transforme en sucre dans l'organisme. Non, vous avez de l'éthanol, non. L'alcool, qui en fait est du sucre transformé. Oui, c'est le et il reste un tout petit peu de sucre résiduel. C'est-à-dire que dans le vin, par exemple, vin rouge, vin blanc, il reste 1 gramme ou 100 grammes. Oui, mais les champagnes, par exemple, sont dosés. Pardon ? Les champagnes sont dosés, oui. On met un peu de sucre. Alors le champagne, il y en a un petit peu plus, je crois qu'on est à 1,40, 1,56, je ne me souviens plus exactement, les chiffres sont là. Il y en a plus que dans le vin blanc et dans le vin rouge. Voilà, mais ça reste pas énorme. Là où vous en avez pas mal, c'est plutôt les cocktails, par exemple. Voilà. Vous aviez signé un article dans Elle, le sucre pire que la coke, ça a fait beaucoup de bruit. Vous aviez parlé d'une étude selon laquelle les rats étaient davantage en manque de sucre, de shoot de sucre, que de drogue. Ouais. En fait, ce qui se passe, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une équipe française de Bordeaux qui a travaillé là-dessus et qui a montré je crois qu'ils ont publié en 2010 à peu près, les premières études. Ils faisaient des études sur l'addiction. Donc ils ont pris des rats. Ils les ont rendus cocaïnomanes en leur donnant de la cocaïne. Et puis, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va mettre en face pour mesurer le potentiel addictif de la cocaïne? Ils se sont dit, on va trouver un truc sympa, mais pas très important, on va dire. Et ils ont dit, bah, tiens, on va pas mettre de l'eau sucrée. Ça leur pensait. Et en 48 heures, 90% des rats qui avaient une intraveineuse et qui donc pouvaient avoir de la cocaïne à volonté ont arrêté la cocaïne pour prendre uniquement de l'eau sucrée. Comme des maboules, ils appuyaient sur la... Alors ils se sont dit, au début, ils se sont dit, c'est absurde. Donc ils ont recommencé. Ils ont recommencé plusieurs fois. Et ils se sont aperçus, et on s'en est aperçu également avec des IRM fonctionnels aujourd'hui, que lorsqu'on prend de la cocaïne, le circuit dopaminergique, donc qui fabrique de la dopamine, est activé une fois. Et lorsqu'on mange du sucre, c'est deux fois. Voilà. Donc c'est beaucoup plus puissant. Bah, ça vous procure beaucoup de plaisir. Mon année sans sucre, comment s'en libérer ? Enquête, témoignage et conseils pratiques, c'est aux éditions Les Arènes.